les régions ultra-périphériques font partie intégrante de l'Union européenne. C'est un fait que nous oublions souvent. Ces régions sont confrontées à de graves problèmes, notamment la vie chère avec des prix bien plus élevés pour l'alimentation et l'énergie. Plusieurs d'entre elles souffrent d'un sous-investissement chronique dans l'éducation, dans l'accès à la santé, dans des infrastructures pour l'accès à l'eau potable ou l'assainissement. Beaucoup sont aussi marqués par un fort taux de chômage et de très fortes inégalités, souvent héritées de l'histoire coloniale. Mais ces régions disposent aussi d'un potentiel incroyable, une biodiversité très riche, une population jeune, un potentiel important dans le développement des énergies renouvelables, dans l'économie bleue, dans la pêche ou l'agriculture durable. Ces régions attendent un soutien fort de l'Union européenne, adapté aux spécificités de chaque région. Pour soutenir le développement économique, lutter contre la vie chère, garantir à chacun un logement décent, l'accès à l'eau, à l'éducation, à la formation et aux soins de santé. Dans ce rapport, nous proposons des mesures concrètes pour répondre à ces enjeux qui sont complexes. Il faut davantage mobiliser les fonds européens pour soutenir l'innovation et la transition écologique dans les Outre-mer. Merci.